Vous continuerez à porter en bandoulière le drapeau d'Israël? Comment voulez-vous et pourquoi voulez-vous que je le laisse tomber? Moi, je l'ai toujours dit, les gens savent avec quel maillot je joue. Hein. Le dos au mur, et s'il y avait un choix ultime à faire, j'ai un maillot blanc avec deux bandes bleues et le Magen David. Il n'y a pas de discussion à avoir. C'est je suis juif à 1000%. Point. Je pense que je pourrais en faire beaucoup plus. Hein. J'ai toujours une petite culpabilité de ne pas en faire assez. Quand je vois ce que j'ai vu hier, les soldats, les bénévoles, on ne nous croit pas quand on le raconte. On ne nous croit pas. C'est ça qui est frustrant, qui est très énervant. À la mauvaise foi, on ne cause pas la bonne foi. Pas face à deux, trois hommes politiques qui parlent d'Israël sans savoir ce qu'ils disent. J'ai envie de les prendre par les cheveux, de les amener ici. Viens vivre pendant 15 jours ici, regarde, renifle, parle. Fais ce que j'ai fait il y a encore 3 jours là. Et après, dis-moi ce que tu en penses. Si tu penses toujours que les Juifs sont presque des nazis et sont des égorgeurs et un peuple sanglant qui pense à tuer les femmes et les enfants. Petit con. Bref, Am Israël Chaim.